dans le garage de Damien et Maxime. Ils sont en train de préparer leur 4L pour le grand raid marocain 4L Trophy. En ce moment, ils sont en train de changer le train arrière de leur véhicule, ce qui n'est pas une mince affaire. C'est sûr. Voilà. 4L acheté d'occasion en Normandie. Cette 4L a déjà fait le trophy l'année dernière. Elle a besoin de quelques petites réparations avant l'homologation. Ouais, c'est ça en fait, on a les longerons arrière et le train a changé. Voilà. Donc du coup, il a fallu racheter des longerons neufs qu'on va souder en fait à l'armature, en fait au châssis. Et puis après, on a récupéré un train en fonte d'une fourgonnette pour remplacer le train arrière qui était en acier et qui avait plié lors du dernier raid. Voilà. Et question mécanique, moteur, une préparation particulière? Alors non, le moteur en lui-même en fait, il est très très bien apparemment. Le mécanicien en fait l'a fait tourner et ça fonctionne bien. Ouais. La seule chose qu'on a récupéré, enfin, qu'on a rajouté en fait sur le moteur, c'est sur le radiateur. On a rajouté un deuxième radiateur en fait pour que ça refroidisse plus vite. Voilà. Dans le Maroc. Même si en ce moment il y a un peu de neige. Damien est dans la fosse de son garage, les mains dans le cambouis. Maxime il patine. patine avec sa clé à molette. C'est une grosse galère. On va les laisser travailler.